Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Là, de nouveau, j'ai dû refaire un peu de confit. Je comprends pas, Isaac ne reconnaissait pas ma manette, alors que d'habitude, j'ai aucun souci, j'ai dû reconfig tous les touches de la manette. J'espère que du coup, ça va pas poser problème en game. Voilà, donc j'avais envie de changer, comme j'avais dit, j'avais envie de rejouer aussi, de pas faire que du Pokémon Crystal, même si c'est juste un petit stream comme ça, mais je vais refaire du Pokémon Crystal juste à côté. On venait de se débloquer, donc ce serait un peu con. Ouais, j'étais en train de me dire, je suis... J'ai baissé d'un cran, j'ai trouvé que j'étais fort éclairé. Mais c'est dommage, hein, avec... Oh, j'ai perdu des paquets. Avec Isaac, j'ai une bonne luminosité, c'est parce que l'écran est pas blanc non-stop comme Pokémon Crystal. Tapis. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, je me souviens plus trop où on en était. Isaac, j'ai juste fait... Salut Mayasetsu! Ça veut dire que t'as reçu l'alerte? Ah, Eve, on n'a pas fait encore. Judas n'a fait que qu'un. Magdalene, elle a déjà été jusque Satan. Eve, on n'a rien fait. Azazel, il a été jusque Satan. Lazarus, on n'a rien fait. Eden, on n'a rien fait. Mais je me demande si on venait pas juste de débloquer Eve, en fait. Ah, tu l'as reçu. Bah, c'est parfait. À mon avis, c'est ça. Comme peut-être quand tu viens pas à un certain moment, s'il faut sur l'appli Twitch, il faut retourner dessus. Ah oui, pour l'instant, je joue pas en hard. Sinon, Samson, pour le débloquer, il faut faire deux niveaux sans prendre des dommages. Ça va être compliqué, vu mon niveau. Ah, c'est vrai qu'il faudrait aussi que je joue en grid pour avoir Lilith. Mais au pire, on peut essayer de faire ça. Genre, essayer de faire une run avec Eve et on fait un grid avec Azazel. Mais il faut battre le grid mode. C'est long aussi quand même ça. Apollon, on ne sait pas. Enfin, c'est pas Apollon, c'est Apollyon. Oh. Lazarus en art mode sans perdre une vie. Oh. Ah, lui, c'était déjà un peu plus facile, Jacob. Il faut juste battre... Enfin, ça doit être Bibi Blue, non? Enfin, c'est vrai que c'est Bibi Blue, c'est pas juste 3 points d'interrogation? Ah oui, non, à mon avis, c'est là, il masque le nom. Parce qu'Apollyon, il a 2 noms en point d'interrogation. Eve venait d'être débloquée. C'est ça. Bah écoute, ça vaut la peine de la tester alors. Hein. Mmh. On va tester, de toute façon, sinon je vais reset. Ça a l'air très très fort, non? Je sais pas si le... C'est vrai que j'ai regardé un... Ça a augmenté... Ben j'ai... Je vais déjà jusqu'à l'autre bout de la pièce quasiment. Enfin le laser, oui, pas les larmes. Et j'ai un bon débit. Ça a l'air bien pour commencer. Ah! Ah par contre, elle garde sa tête. Ah c'est marrant. Ah, ça a l'air d'être un objet qui est pas trop mal pour commencer. Surtout que Eve, donc... comment je vois ses stats? Ah oui! Oh, du coup, je dois tout reconfigurer. C'est fou, hein. Extra HUD. Voilà. Voilà, comme ça, on voit ce qu'elle a. Peut-être pas en aussi gros. Je sais plus qu'est-ce que j'avais mis. Ça m'a l'air bien. Oui, au moins que ça dépasse pas les murs. Et donc, elle a Whore of Babylon. Et Whore of Babylon, ça veut dire que si elle est à un cœur, elle se transforme... Un cœur rouge. Elle se transforme en espèce de démon noir qui est beaucoup plus puissant. Donc, le but d'Eve, c'est d'essayer de la gaver de cœur bleu et de ne la mettre qu'à un seul cœur rouge. Mais bon, faut y arriver. On va faire un par un. Hein. J'ai failli me baiser. Hein.
J'ai failli me coincer. Ouf, j'ai encore failli me coincer. Allez, 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 allez. Merci, c'est quoi? Death. Non. Allez, venez. Allez, les petits. Mais l'âme repousse bien aussi. Non, j'ai l'impression qu'on a eu un très très bon premier objet pour commencer. Bah, c'est ouvert, donc je rentre, mais voilà. Bien entendu, ce n'est pas très intéressant. Enfin, allez, on a une pièce. Ça transforme les clés en projectiles pour faire des dégâts, mais bon, les clés, souvent, t'as envie de les garder. C'est ça, elle est assez forte, mais il faut réussir à la jouer, quoi. Parce que si tu n'arrives pas à la transformer souvent en pute de Babylone, du coup, en français, elle n'est pas spécialement forte. Mais en tout cas, ici, d'ailleurs, ça se rend pas compte, hein, que normalement, elle n'est pas très forte, hein, sous cette forme-là, mais j'ai l'impression que j'ai eu un très bon premier objet. C'est bien. D'ailleurs, on va le tester tout de suite avec le boss. D'ailleurs, je me demande si je vais pas claquer déjà. Voilà, comme ça, il a déjà perdu plein de vie. Ah, ça va, c'est celui qui est fatigué. Voilà, lui, il est chiant quand il dash. Heureusement que je repousse, hein, mais l'arme repousse pas trop mal. Allez. Ouf! Non, non! Bon, normalement, le but, c'est de perdre des cœurs rouges avec Eve, mais bon, là, je... J'ai envie d'avoir un Devil Deal. Poum poum poum. Surtout qu'elle est... elle est assez forte. Du coup, je viens de faire un niveau sans prendre de dégâts. Ce que je ne pensais pas possible. Donc avec... Si je ne prends pas de dégâts au prochain... C'est un Cellar, ça va être déjà le plus compliqué. Je pourrais débloquer un personnage. Je sais plus c'est qui. C'est Lazarus. Voilà, c'est raté. C'est raté. Voilà. Mais je l'avais déjà dit. Hein, un Cellar... C'est plus compliqué. Oh, j'ai pas activé. J'ai pas activé mon mode. Pourquoi je vois pas mes dégâts et attends. Ça aussi. Faut plus remini, mais c'est pas ça. Ah, merci. Voilà, il me disait bien qu'il me manquait des trucs. Wheel of Fortune. Bah, si j'ai beaucoup d'argent, pourquoi pas. J'ai vraiment dû tout reconfigurer, quoi. Oh, je vous déteste. Je vous déteste. Je déteste ces trucs-là. Ah, il y en a un déjà qui est mort. Non! Mais voilà, je savais que t'allais me faire chier, hein. Au moins, t'as donné une clé. T'as donné des bombes, ça c'est très très bien. Non! Voilà, je savais que j'allais. J'ai dû refaire mes touches, donc forcément ça allait créer des problèmes. The Sun. Oh! Mais c'est très très bien ça! C'est très très bien, je l'aime beaucoup. Je vais pas user mes 4 pièces dedans, même si en vrai ça peut donner des cœurs bleus et ce serait intéressant. Ah oui, j'oublie que... Faut que je l'utilise. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Qu'est-ce que tu dis, c'est un piqueron? Qu'est-ce que tu dis par un piqueron?
Oh, ça, ça va. J'ai pas su m'enlever, attends. Ah oui, un autre truc, c'est que j'ai oiseau mort, comme on dit dans le milieu. Donc quand je me prends un dégât, ben, il... Voilà, il fait ça. Il se réveille et il va taper les ennemis pour me venger. Tu veux dire le truc de viande? L'espèce de gamelle pour chien que j'ai eu qui m'a donné un corps rouge? Ah non, le petit bonhomme rouge, c'est ça? Parce que c'est vrai que c'est Gemini, il se détache en deux à la fin. Ouais, lui, il est chiant. J'adore la musique de cet étage-là. Oh, j'ai... Ah voilà, bon, du coup... Oh là là, faut plus que je meure maintenant. Oh là là, ça va être... Oh, ouh là là! Voilà, je suis pute de Babylone. Voilà, je sais très bien, je suis super forte et tout. Mais bon, j'ai plus qu'un demi-cœur. Oh là là, j'ai eu tellement peur. Voilà, c'est... Voilà que je suis pute de Babylone. Donc là, je tire des larmes rouges. Hein. Je suis très forte, mais je n'ai plus qu'un demi-cœur. Et je vais plus vite aussi, c'est vrai. J'ai tout obligé. Follow the cat. Est-ce que je bats le boss avec ce setup-là? C'est pas ouf. Hein. Enfin, ça m'ennuie parce que j'aimerais bien aller là-bas. Mais je vais... C'est pas une bonne idée, je vais mourir. Ah oui, en fait, si ça se trouve, quand je me suis transformée en pute de Babylone, ça m'a perturbée parce que du coup, elle va plus vite. Et donc, c'est comme ça que je me suis pris le deuxième boss. Deuxième truc. Attendez. Non, je pense que ça pouvait pas. Je cherche après pour la secrète. Non, celle-là, ça ne pouvait pas. Là, ça pourrait, j'essaie au cas où. Ah oui. Bah écoutez, j'ai comme ça, je peux les remettre dans la machine là, espérer avoir d'autres cœurs bleus. Oh non, ça c'est pas cool. You will die. Bah ben oui, à un moment donné. Ah merci. Ben en vrai, missing page. C'est bien, il y a un petit pourcentage de chance que je fasse des dégâts quand je m'en prends. Non, ça je m'en fous, j'ai plus d'argent. J'ai réussi à avoir deux cœurs bleus, c'est déjà ça. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Non! Oh là là! Après, faut que je fasse attention parce que lui aussi, il vomit. Il me copie. Ouf, j'ai eu de la chance. C'est bon. Oh, merci! J'ai droit au Devil Deal quand même. J'ai eu un cœur bleu en plus. Parce que ça, j'ai pas envie de me soigner en fait. J'ai envie de le dépenser. Pas ouf, hein. Pas se leurrer, c'est pas ouf. Je l'ai pris quand même, hein, parce que ça fait toujours un peu de dégâts en plus, mais c'est pas ouf, hein. Et j'ose pas aller à la salle au picot parce que ça va me perdre un cœur bleu et j'en ai trop besoin. Ouais, donc je l'ai pris, mais c'était pas ouf. Donc pour l'instant, bah, c'était pas prévu, mais bon, j'ai réussi à me mettre en pute de Babylone. On va essayer de faire garder ça le plus longtemps possible en le protégeant avec des cœurs bleus.
Oh, je déteste. Ouf. Oh, trop bien. Il y en avait un. Je ne sais plus bouger mon personnage, tout va bien. Ouh, là, ça va être chiant. Ah, j'avais envie de les aligner, mais... Je n'y suis pas arrivée. Ouf. Oh, j'ai déjà le boss. Cette salle est trop bizarre. Heureusement qu'il n'y avait pas d'ennemis dedans, ça aurait été trop chiant. J'ai essayé d'éviter hein, toutes les grandes salles, mais visiblement, c'est compliqué. Donc, on va en faire. En vrai, ça pourrait être pire, elle se regroupe. Ah, parfait. Comme ça, j'ai la salle d'objets. Oh. Oh non, 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 non. Ça, c'est trop dangereux. Ça, c'est trop dangereux. Ah, j'ai eu ça. Je veux pas ça. Oh. Non, mais ça, je veux pas. En fait, ça, c'est... Friendly Exploding Fly. En fait, à un moment donné, elle va exploser. Je pense que notamment, c'est quand on la touche. Et elle va faire des... elle va exploser. Donc forcément, elle fait des dégâts autour d'elle. Mais si sans faire exprès, tu la touches alors qu'elle est à côté de toi, ben, elle explose sur toi, elle te fait des dégâts. C'est pas très ouf. Hein. D'ailleurs, c'est bien noté. D'ailleurs, ils font exprès. C'est vrai que j'avais pas vu. Il y a une note. The explosion can hurt Isaac. Isaac, pardon. Donc clairement, non. Un jour, faudra que je la prenne, hein, parce qu'il faut prendre tous les objets du jeu à un moment donné, mais clairement pas tout de suite. Ouf, j'ai cru que j'allais tous me les prendre. Non. Comme j'ai dit, les cœurs rouges, on n'en veut pas. Unidentified. Oh, mais purée, c'est la run des cœurs bleus. Ça me va, hein. Ça me va, hein. Oh, j'ai... Ouf, j'ai eu de la chance parce que j'avais très mal géré hein, mes déplacements. Hein. J'avais tout fait pour me les prendre. Non. Ah, comme il y en a un qui est tout jaune, ça veut dire que on aura des pièces si on le tue. Yes. Bon, pas tant que ça, mais c'est déjà ça. À mon avis, c'est parce que j'ai beaucoup de luck. Ouf, faut pas que je touche les cœurs. Voilà. J'ai combien? J'ai 13 pièces. C'est vrai que j'ai pas trouvé le magasin. Je me demande si je vais pas taper le boss d'abord. Parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de cœurs bleus. Ça se passe bien. Avant de continuer à explorer. Parce que les grandes salles, pff, ça me vante pas du rêve. Voilà, lui, je l'aime pas pour ça. Voilà, heureusement. C'est un XL? J'avais pas vu, c'est un XL. Oh putain, le cœur rouge qui est là, je vais être obligée de me le prendre. Je suis trop dégoûtée. Je veux pas. Je vais user une bombe juste pour ça, hein. Non! Et c'est con parce que ça me donne un cœur rouge, mais je veux pas. Oh, pipe. Ah, j'avais, je gère déjà mieux. Oh, allez, hein, j'ai cru qu'il était mort. Non! Pardon, j'ai hurlé. Mais c'est parce que je pensais le battre. Ah oui, du coup, si ça se trouve, j'ai raté mon DVD à côté de ça. Je pense... Oh, il m'a donné un cœur bleu, c'est déjà ça.
Plus un damage, on prend. C'est un damage up, c'est toujours bien. Oh, c'est trop con. Je me suis fait toucher au dernier moment. Je pensais que je pouvais passer en dessous. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'il a bougé un tout petit peu ou si c'est moi qui ai mal estimé la distance. Mais je passais. En tout cas, il m'a touché. C'est trop con. Ah oui, j'avais pas vu. C'est marqué en bas de la carte que c'est un XL. Mais du coup, comme c'est un XL, ça veut dire qu'il y a deux salles d'objets. Alors, je l'avais pas vu. Je suis obligée de retourner explorer. Il me manque une salle d'objets. Ben. Ouais, des cœurs bleus, des cœurs rouges, je m'en fous. Il y en a encore un? Tiens. Ah oui, il me reste plus que les grosses salles, hein, mais. Bon, ça va. C'est des grandes salles, mais avec beaucoup d'espace et des ennemis pas trop chiants, surtout avec le niveau de dégâts que je fais. LOL, je l'ai envoyé se faire brûler contre le feu, c'est bien. Ah, clairement, maintenant, le magasin, ça vaut la peine aussi. Ah, voilà la deuxième salle d'objets. Ouf, j'ai failli me prendre. Oh, j'ai jamais eu. Oh, c'est trop kawaii. Au pire, je le prends pour ma collection, mais c'est pas l'objet le plus intéressant. Surtout que ça va me. Ça se trouve, ça va juste me mettre des cœurs rouges, quoi. Bah écoute, ça coûte rien. C'est pas le truc le plus ouf du monde, mais. Et ça compte pour les transformations, donc c'est toujours ça de prix. Magasin, clairement. J'ai pas de magasin. On est d'accord, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le magasin. Ouais, clairement, faut être au magasin. Ah oui, un autre truc aussi, c'est la pilule. La pilule. Parce que je me demande si j'en ai pas eu deux les mêmes. Oh. Attendez, c'est juste parce que s'il y a une secrète là, c'est masterclass. Ah oui, je sais pas voir. On va tenter. Oh, trop bien. Du coup, je sais aller voir ici sans prendre de dégâts. Ouf, heureusement que j'ai arrêté. Oh, ça peut valoir la peine. C'est des gentilles araignées. Pardon. Brimstone for the room. Bah, j'ai déjà un mini brimstone. Money equal power. Et ça, c'est. Ah, oh, j'hésite entre les deux. Je suis déjà un damage en fait. C'est que je suis en train de calculer. Ouais, je suis déjà un damage avec 27 pièces. Ça peut être bien, hein? Ou alors ça. Et ça fait peur. J'hésite un peu. Ou alors, mais ça c'est trop, c'est dangereux. C'est je prends les deux. Je prends les deux parce que j'ai un HP up. Je prends les deux. Rien à battre. Ah, et du coup, voilà. Je reviendrai et je vais aller prendre le HP up. Parce que j'ai droit à un cœur rouge, donc. Ah oui, et donc cœur. Oh, du coup, je fais des fear shots. Et cette. C'est ça que je voulais vérifier. C'est la même, hein? Donc ça vaut la peine d'aller la tester, mais je vais d'abord prendre mon HP au cas où. Oh, ça c'est chiant. Voilà, toi tu fais chier. Donc tu. Voilà. Yup. Voilà.
Voilà, parce que ça me retire pas mon Whore of Babylon, donc c'est toujours bien. Est-ce que ça vaut la peine? Bah, du coup, non. Du coup, c'est un else up. Et ça, c'est trop chiant parce que pour n'importe quel autre personnage, ce serait intéressant, mais c'est pas intéressant pour Eve. Trop dommage. Par contre, j'ai envie de. D'avoir l'autre coffre. Voilà. Oh, je les connais pas. On aura testé. Je vais quand même essayer d'aller au magasin, même si du coup c'est déjà un peu moins intéressant parce que j'ai Money Equal Power. Ils me font marrer, mais comment tu veux que je le prenne sans me prendre de dégâts? Oh, j'ai été là, j'aurais. Ça va, c'est des petits caca. Ils sont encore. Je vais pas dire ils sont friendly, mais ils sont kawaii. On leur pardonne tout. Par contre, j'ai qu'une clé. Est-ce que je vais vraiment y aller? C'est trop chiant. Je pense que je vais pas y aller. Parce que j'aimerais bien être sûre d'avoir au moins la salle d'objets au prochain étage. Mais je suis contente, je trouve que on s'en est pas trop mal sorti. Il y avait une pilule là. Est-ce qu'elle est. Elle ressemble pas du tout aux autres. Et là, il y avait. Ah ouais, il y avait un coffre mais avec une clé. Oh, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire. Bon, le coffre, je suis déjà plus tentée. Oh, ben, clairement, je devais le faire. Et du coup, j'ai des clés. Du coup, je peux en utiliser une dans le magasin. On va peut-être aller faire ça. Parce qu'il y aura peut-être un cœur bleu au magasin, ou alors un item hyper intéressant. Ça vaut quand même la peine d'y aller, même si je dois pas trop dépenser mon argent. Je me suis trompée de chemin, pardon, excusez-moi. My bad. C'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait que je fasse des boss rush aussi. Moi, je prends mon temps à chaque fois, je me balade. J'aime bien jouer comme ça, mais c'est pas toujours comme ça qu'il faut faire. Mais c'est nul. J'ai la health up. Et je vais pas dépenser 5 pièces pour récupérer une clé. C'était nul. Mais fallait tenter. Oh, Mayasetsu, tu sais, truc qui a rien à voir, hein, mais tu sais que depuis la semaine dernière, je pense à la soupe de ravioli tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, je vais craquer et je vais me prendre une commande juste pour avoir l'excuse de prendre une soupe à ravioli à emporter. Voilà. C'était trop beau. Voilà, mais du coup, comme ça, sans faire exprès, bon, on a déjà fait deux étages, c'était bien. On pense qu'à bouffer, hein, c'est quand même fou. Du coup, on est à. Oh! Putain, Death XL. Donc, ça veut dire qu'il y a deux boss, mais au bout, c'est Mom, hein. Oh! Ils m'ont un peu perturbé, j'avoue. Puis. Oh, j'avais pas vu! Ils ont fait popper un truc de merde là. Oh, j'ai perdu des cœurs bleus de manière stupide. Soyons honnêtes, faut pas toucher au cœur rouge. Oh. Oh, dommage que je vole pas. Pas toucher le cœur rouge, pas toucher le cœur rouge, pas toucher le cœur rouge. Non, je vérifiais s'il n'y avait pas. Oh là là!
Moi, regarder 10 000 trucs en même temps, c'est toujours trop compliqué. Hein. C'est vraiment trop compliqué pour moi. Je suis pas faite pour ça. Moi, j'ai failli prendre. Après, quand je fais peur... Ah, parfait, va mourir. La petite salle, elle me fait peur. Oh. Ouais, je préfère passer au passage pour piéton. Bon, ben, on se tape le gros machin. Ah, il y a... Un rocher marqué. Du coup, j'ai... Oh! J'ai failli me le prendre quand même. Ah, j'ai pu économiser une bombe. Il y avait un rocher marqué, je l'avais vu. Ah, il n'y a plus rien qui explose. C'est vrai que sinon j'aurais pu essayer de l'avoir pour les clés. Tant pis. De toute façon, il y a peut-être un rocher marqué encore. Non? Je suis contente d'avoir eu les cœurs bleus. Ça, c'était cool. Oh, j'ai pas envie de me prendre des dégâts. Ah, ben c'est parfait. Il y en a deux qui sont suicidés. C'est très très bien. Continuez. Oh. Par contre, ça aide très très bien quand ils sont effrayés. J'aimerais bien qu'ils le soient plus souvent. Oh, la grande salle. J'aime bien comme je retrouve ce chemin. Oh non! Pas là-bas. Heureusement que j'ai des dégâts. Il y a des chances que... C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais je pense qu'il y a des chances que cette run aille au bout, hein, en tout cas. Oh, je vais pas aller chercher la pièce, ça va mal se passer, je le sens déjà. Ah, c'est bien, eux au moins ils ont arrêté. J'ai de nouveau que des grandes salles, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Attention de ne pas prendre le corps rouge. Oh, ça c'est bien. Je sais même pas ce que font ces moustiques-là. Et du coup, ils ont pas eu la possibilité d'attaquer. Oh, un mendiant! Ah oui, mais j'ai envie de mon argent. C'est compliqué, ça. Oh! Ah, j'ai trouvé une... Par contre, j'ai trouvé une salle d'objets. PhD! Ben, on a un problème, c'est que... Ça veut dire que j'aurai que des bonnes pilules, donc c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'il me soigne. Mais je veux pas qu'il me soigne, je ne serai plus Whore of Babylon. La vie, c'est dur. Bon, là, le cœur rouge, ça m'a... Ah, et l'autre salle d'objets est là. Ok.
Compliqué aussi. Ça aussi, c'est compliqué. Le problème, c'est que ça va randomiser tout ce que... Oh, c'est con, je suis en train de passer deux objets, mais... C'est parce que ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Oh putain, je déteste ces petits trucs-là. Bon, j'ai eu plein de cœurs bleus. Est-ce que tu proposes quelque chose d'intéressant? Tu proposes quelque chose de potentiellement intéressant? On a eu plein de Devil Deal, c'est cool. Bon, au moins on a un Devil Deal, donc. Oh, ça c'est trop bien, j'ai un pourcentage de chance de dropper des cœurs bleus. Et on veut des cœurs bleus. The Devil. The Devil, pour moi, c'est plus intéressant. Du coup, on prend du level. Et à la limite, ça me dérange pas que le PhD. Oh! J'ai la queue de Guppy. Ça, c'est. Enfin, bon, c'est mon premier objet de Guppy, hein, donc c'est un peu tard pour essayer de devenir Guppy, mais c'est très très bien quand même. J'aime toujours avoir des objets de Guppy. Par contre, il va falloir que j'ai bl la blinde de clé, on est d'accord. Parce que la queue de Guppy, ça permet de spawner plus facilement de. Ah, je savais que c'était bizarre qu'il n'y avait rien qui était apparu. Ça va spawner plus facilement des cœurs. Des cœurs. Des coffres à. Ah! Des coffres à clés. Ben, du coup, il faut des clés, quoi. Oh, merci. I love money. Ok. Mais du coup, maintenant, je veux bien prendre le PhD. Parce que le PhD, même s'il me soigne, j'ai plus qu'un cœur bleu, un cœur rouge. Donc, je m'en branle. Comme ça, j'aurai au moins un petit objet en plus. On va faire ça. Par contre, j'ai toujours pas trouvé l'objet. Les boss, pardon. Ça, c'est plus embêtant. Parce que j'ai déjà plus que... Voilà, au moins j'ai que des pilules positives pour cette run, ça peut être bien aussi. Si je, surtout si je trouve une pilule damage up ou. On va aller dans la petite salle. Oh, ça va, j'avais en vrai j'avais plus peur que ça. Hein. Ah oui, je pense que j'ai aussi plus de chances d'avoir des coffres no lambda sans clé aussi. Ouh! J'avais oublié que vous faisiez des trucs comme ça avec vos têtes. J'avais oublié. Ok. La première vie pas trop chez marqué. Oh, c'est con! Moi, je suis intriguée, je le veux bien, mais je sais pas voler. Ah, j'ai trop. Oh, je fais des bêtises. Je fais vraiment des bêtises. Il y a des moments, en fait, je n'évite des dégâts que par ma chance. Hein. C'est clairement pas du skill. Hein. Après, on fait avec ce qu'on a. Ben, j'ai pas d'autre objet, ça coûte que 7. C'était pas très intéressant. Bon, ben maintenant va falloir la recharger avant pour aller avant
Mom. Ah bah du coup, Mom est là. Génial. Forcément, Mom est tout est juste à côté, quoi. Bon, c'était pas drôle. Enfin, c'est pas Mom, c'est le premier boss, après il y aura Mom. Non, faut voler. Pourquoi pas? Non. Non. Je cherche une la secrète en même temps. Visiblement, ça va être compliqué. Hein. Ah, je vais voir si je vais encore avoir de la chance deux fois. On va essayer. Oh, c'est marrant. Oh, je suis conne. En fait, je devrais les faire péter ici, hein. Baka, baka. Simira-sen, est-ce que vous pouvez venir par ici? Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre coopération. Est-ce qu'il y a un autre truc à péter? Ils ont pété tout seul. De toute façon, là, je devrais le péter. Excusez-moi, vous m'empêchez de passer. Oh, j'ai pété un truc. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça va alors. Ça va. J'ai bien trop. Enfin, j'ai pas trop mal géré, quoi. Voilà, comme ça, c'est remboursé. Des cœurs bleus, merci beaucoup. Oh! Un damage. Ben on prend, hein. Encore un damage up. Ça ne devait pas spawner quelque chose? Je pensais que ça devait spawner quelque chose. Bref. Ok. Ah ben c'est bien, je vais one shot mom avec mon objet. Donc il y a juste le boss à faire avant. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier un cœur bleu pour ça? Je ne suis pas sûre. Surtout que j'ai déjà, oui, j'ai déjà été au magasin, il n'y a pas de cœur bleu. Je préfère garder mes cœurs bleus. Oui, parce qu'en plus, après, on va directement... On va dans The Womb, ça va déjà être plus compliqué à gérer. Loki, ça pourrait être pire. Oh! Ouais, voilà, surtout que le problème, c'est que il fait popper que des trucs qui explosent. Ah, mais c'est très bien! Ça donne 4... Donne-le-moi! Oh! Tous les cœurs bleus. Ben, attendez, je vais... Clairement, aller dans les picots alors. J'y suis pas allée, on est d'accord, je n'y suis pas allée. Je vais aller dans les picots. Après, j'arrête pas de dire que je joue moins Isaac parce que ça prend du temps et tout. C'est moi qui prends du temps, en fait, de fou. Je suis contente, c'est pas une trop mauvaise run. Oh, mais. J'ai encore la même config. Ah, sauf que là, elles étaient méchantes. Pff, là, c'est juste des... Bah, ça y est. En fait, c'est... Mon passage a juste été remboursé. C'est tout. Ça ne m'a rien apporté, mais ça ne m'a rien coûté non plus. Par acquis de conscience. Allez, vous êtes prêts au combat contre The Mom? Attention. 3, 2, 1. C'est l'avantage de la Bible. Oh, j'ai encore des cœurs bleus. Oh là 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 là. Ben, je vais le prendre parce que... Est-ce que ça fait pas déjà une transformation? Je me suis transformée en maman en plus. Du coup, je...
On vole quand on est maman? Ou c'est parce... Non, c'est parce que j'ai utilisé la Bible, c'est pour ça que je vole. Calme-toi, Yasmine Mayeux. Ah oui, mais j'y suis déjà allée, forcément. Ah non, en fait, quand on est maman, on a un couteau au cul. Voilà, c'est tout. Par contre, le couteau fait masse de dégâts, donc s'il y a des gens qui viennent renifler mon cul, ils vont le sentir passer. Bah écoutez, tout ceci est très bien. Et donc, ouais, un bataille de fou, hein. Franchement, on va l'écrire dans les livres d'histoire. L'avantage, c'est que du coup, pour le cœur de maman, ça va être la même chose. Donc en fait, il n'y a que mon premier boss ici qui va être... qui peut potentiellement être galère, mais j'ai ma carte des villes. Que vous ne voyez pas, parce que j'ai encore mal mis ma cam. Oh là là, je sais jamais. Voilà, je vais me mettre là. Voilà, sinon vous ne voyez pas ma carte. Ça ne va pas. Vous ne voyez pas ce que j'ai. Donc la carte The Devil que j'ai en bas à droite, bah, elle me donne plus de dégâts pour la pièce. Mais du coup, je vais utiliser pour le combat de boss, forcément. C'est tentant, mais il me faut deux clés. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que par contre, si j'avais eu The Sun, j'aurais pu aller directement. J'ai une clé. C'est peut-être... Après, j'ai tellement de cœurs bleus. Ah ben, ce truc-là donne encore des cœurs bleus. J'ai vraiment de la chance, un niveau cœur bleu, hein. C'est une super run. Wouh ! Il y a quoi... Faut quand même que je fasse gaffe quand même. Hein. Faut quand même jouer. Hein. C'est pas tout se joue pas qu'à la chance. Hein. Du coup là, je vais être un peu plus petite. Je tire plus et j'ai des cœurs. J'ai encore un cœur bleu. Tous les cœurs bleus que j'ai. Purée quoi. Et j'ai des bons dégâts, hein. Oh, ça c'est trop chiant. Ils vont trop... Dans mes souvenirs, ils vont trop vite. Voilà. Heureusement que... Ben c'est intéressant parce que ma Bible, en fait, elle sera tout le temps chargée, en fait. Oh, c'est... Ouais, je suis pas mal beaucoup plus petite. Oh, j'ai pas... Ah oui, ils font des... Ils font des projectiles en mourant, j'avais pas vu. Ah oui, attention, ils peuvent faire des squelettes. Ils ne l'ont pas fait. Merci à eux. Ah, c'est des polypes. Les polypétérins. Bonjour. Voilà, si un jour dans votre vie, on vous a retiré des polypétérins, sachez que ça ressemble à ça. C'est exactement ça. Ils m'ont bien fait chier. Oh. Ah, moi, j'ai trouvé le boss. Le boss. On y va. Hein. C'est pas le boss le plus difficile en plus. À ce niveau-là, j'ai encore de la chance. Il est juste chiant parce que voilà, quand tu penses qu'il est mort, en fait, il est pas mort. Il se divise chaque fois. Ben non, ça m'intéresse pas en fait. Je veux rester pute de Babylone. Pute de Babylone toute ma vie. Du coup, non. Je ne vais pas prendre le HP up. Surtout que j'en ai pas besoin.
Pourquoi il y a ces... Il a un nom? Hétéro 2. Non, il a un nom normal. J'essaye de comprendre pourquoi il y a ces petites ondulations sur l'écran, mais je ne sais pas. Ah, mais c'est justement ce qu'il me fallait! Mais voilà, en plus, je sais même où est la salle secrète. Bon, ça m'aura juste rajouté une pièce. Ah oui, par contre, j'avais pas fait... Mais non, ça va. Heureusement, j'ai encore de la chance. Ça aurait pu être une salle beaucoup plus horrible que ça. Ah, il faut que je fasse attention. Les caca, ils vont repousser. Il est parti ou il arrive là. C'est bon? Il y a rien eu. En plus, ce qui est fou, c'est que j'aurais eu un bon item dès le début. J'aurais pas eu reseté 10 000, 10 000 ans. C'est parfait. Comme ça, on va voir. Je sais pas si je pourrais aller jusque Satan, mais je le tenterai, quoi. Enfin, quoique, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le build pour battre Satan? Je suis quand. Oh putain! J'allais dire, je suis sur le point de faire une connerie. J'en ai fait une et j'en ai même fait deux fois. Oh, j'en ai marre, putain! Oh, je fais pas Satan, hein! Là, je pense qu'il y a le jeu qui vient de me dire, fais pas Satan, ça va mal se passer. Même si j'ai Satan, je le fais pas. Putain! Heureusement que j'ai la Bible! Maintenant, je saurais plus battre Heart, sinon... C'est quand même fou, hein? Ouais, voilà, le problème, c'est que... Mais non, je vais jamais y arriver, hein. Donc je préfère m'arrêter ici et débloquer. Bah, du coup, je débloque rien de nouveau, c'est juste que j'aurais été jusqu'au cœur de maman avec... Je me demande s'il faudrait pas que je me mette plus au-dessus. Eh, mais j'ai... C'est IPK que ça? J'ai eu la faim pour avoir IPK, non? Ah ouais! Ah oui, donc j'ai quand même eu une fin différente. Lol. Voilà. Donc on a juste fait le cœur de maman. Vous voyez pas ma win streak. Je ne sais pas où me mettre, hein, c'est fou. Mais après, ce qui est bien, c'est que j'ai débloqué des objets et j'ai débloqué le halo. Et le halo, c'est trop bien. Parce que le halo, c'est un all stats up. Ça veut dire que toutes mes en un objet, j'ai un plus une stat sur toutes mes stats, quoi. C'est trop bien. J'ai envie d'essayer. Grid mode avec Azazel, juste pour voir. Parce que... Je sais plus comment ça se joue. Voilà, ça c'est l'objet. Mais il est pas ouf, hein. Ah oui, du coup. C'est
C'est toujours le même problème, je sais. Ah oui, du coup, je ne sais plus utiliser mon clavier. Du coup, je sais pas reset. Et je reviens là où j'étais. Je reviens là où j'étais. Oh, c'est con. Avec ce nouveau truc, je vais devoir chaque fois faire ça. Oh, j'ai pas pris le bon perso. J'ai pas pris le bon perso. Ah, ça, par contre. Ah non, ça, vous le voyez pas. Bah, normalement ça s'active déjà, non? Je sais pas. Bon, écoutez, on va voir. Ah, c'est peut-être ça que je me suis pris des dégâts, c'est parce que j'ai sans faire exprès, j'ai pris le bouton et il y avait des picots. Oh mais oh, c'est parce que je connais pas bien les personnages, les monstres. Ah, oh, génial. Ouais, ici en fait, chaque fois j'ai 10 minutes entre chaque vague. Mais ce que je comprends, il y a des picots quoi, donc c'est bizarre, je suis. Je vais me prendre des dégâts si je n'arrête. Si. Oh là là, j'ai encore fait de la merde, je vais mourir. Ah, ça va. Enfin, ça va. Il reste plus que les araignées, mais elles vont me faire chier. Ben voilà, maintenant c'est le boss, c'est marqué sur le truc. Du coup, je peux aller au magasin. Oh, s'il te plaît. Ben ça, c'est très très bien. Le PhD aussi, mais j'aurais pas assez d'argent. C'est vrai que j'ai oublié que je vole. Donc voilà. J'aurais bien aimé avoir, mais du coup, je ne l'ai pas. Enfin, après. J'ai peur hein, pour le boss parce que du coup j'ai déjà plus qu'un cœur. Ok, c'est juste lui qui va être chiant parce que lui, il vole. Voilà. Mais lui, je peux faire ça. Bah peut-être pas comp. Pourquoi j'ai. Oh. J'aime bien comme il me voit pas, ça fait ça. C'est bon? Oui, encore un boss. C'est bon. Mais je n'ai eu que ça. Ah, et ça, c'est pour le Devil Deal. Mais je sais plus comment ça fonctionne parce que techniquement j'ai plus qu'un cœur. J'ai envie de tester.
Merde, ça. J'ai l'impression que mon truc de. Je vais me cacher là, ça marche pas très bien. Et j'ai pas de range en fait, donc. Pour ça, c'est chiant! Ouais. Allez, pas se faire tuer par une araignée de mes couilles. Ah voilà, et du coup j'y ai droit, mais c'est quand même... Voilà, c'est ça. Ah mais attendez, si je le prends, je vais mourir, mais est-ce que ça active déjà? C'est pour l'expérience. Ah non, du coup ça m'a donné un cœur rouge. Ok. Voilà, je sais pas du tout où cette run va aller. On ne sait pas. J'ai envie d'essayer de voir. Est-ce que vous pouvez me donner deux pièces? Il suffisait de demander. Tears up. Mais écoute, c'est très très bien. Parce que clairement, avec Azazel, c'est ce qu'il lui faut. Il y a des ennemis ici aussi. C'est marrant. C'est une méga batterie. On est parti. Je sais plus combien de niveaux il y a. Ah, ben c'est montré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, du coup. Ah oui, il revient. Le cup de mythe, il m'intéresse, hein, clairement. Après, c'est parce que je suis plus lent. Ah oui, mais non, mais casser les rocs, ça m'intéresse pas parce que je vole et je me cache dessus. Revenge Fly. Après, ça m'intéresse d'avoir un health up. Ah, ça se passe mieux. C'est peut-être parce que j'ai un... Ah, j'ai pris des dégâts. Oh, allez, s'il te plaît. Parce que je déteste les araignées. Oh. C'est bon. Ok. Mais clairement, le cube de mythe. Oh, j'ai pas assez d'argent. Parce que clairement, oui, hein, sinon je prends ça. Oh, j'ai même pas de bombe. C'est quand même triste. Parce que sinon, battre le boss va être compliqué. Oh, allez, hein! Moi, je pense... Ah oui, mais je comprenais pas pourquoi ils sont des sacs à PV comme ça. Mais c'est parce que c'est en mode... Ils sont en mode boss, putain! Est-ce que tu peux... Ah, ça m'énerve d'avoir pas de range.
Ouh là là. Ouf. C'est bon? Ok. Bah c'est trop con, il me manque que deux pièces quoi. Mais j'ai même pas de bombe, j'ai rien. Je suis probablement trop greedy, hein, mais de fou. Ouf! Il m'a touché. Il m'a touché. Ça va être les mêmes? Ça va être le même. Non, putain. Ah non, ça va. Alors là, en même temps, si je prends, je vais mourir, mais je m'en fous un petit peu parce que... oui, vie. Walking, non, ça c'est nul. C'est nul. Je sais pas si c'est vraiment bien. Oh, tant pis. Ah, je me pisse dessus. Bah du coup on va prendre ça. Oh, member carte. Parce que j'ai acheté beaucoup de trucs, je suppose. Oh, ça c'est dommage, c'est bien. Mais voilà, comme ça. Maintenant, j'ai 8 vies, mais sur 2 cœurs, ce qui est déjà mieux. Ok, je sais pas pourquoi je regarde les rochers, j'en ai de toute façon toujours pas de bombes. Je sais pas du tout si je vais aller jusqu'au bout, mais comme ça au moins je me remémore un peu c'est quoi le grid mode parce que j'avais plus trop l'habitude. Oui, donc c'est vrai que je l'ai pas expliqué, je l'ai un peu lancé comme ça, mais donc le grid mode, comme vous l'avez remarqué, ben en fait, il n'y a pas d'exploration du tout, au contraire, c'est une question un peu de... À chaque fois que je lance ce bouton, je vais avoir des salves d'ennemis, puis à un moment donné, il y aura une pause, ça me fait coûter des dégâts ou de l'argent d'arrêter les salves d'ennemis si je veux. Mais ici jusqu'à présent je l'ai pas fait. J'ai pu. Je pense que ça prend des dégâts, c'est pour ça qu'il y a des bigots. Et en enchaînant les salves d'ennemis, bah, je me fais de l'argent et tout. Enfin donc c'est mieux. Et je me prends pas les dégâts des picots. Et puis il y a une pause. Et si je réappuie sur le bouton, c'est le boss. Si je réappuie encore après la. Parce qu'il y aura encore une pause après le boss. Ce sera du coup un autre boss, mais qui donne lui accès au Devil Deal, quoi. Et le but, bah, c'est d'essayer de battre le plus possible de monstres. Notamment, la porte ici qui me permettra d'aller à l'étage suivant ne sera ouverte que si j'ai battu le boss de cet étage-ci. Et le but, bah, c'est d'avoir de l'argent pour à chaque fois avoir... Ça n'a pas l'air intéressant. Ah ça m'intéresse pour moi d'avoir de la range parce que j'en ai vraiment pas. Ah lol! Je peux aller un étage en dessous? Ben ça peut être intéressant, mais j'aimerais bien avoir ça en fait. Mendiant des clés. Enfin voilà. Et donc à chaque fois, on a un objet gratuit, un objet B. Eh, mais c'est trop bien. J'ai deux orbitaux comme ça. Trop bien. J'en ai. Non, la Revenge Fly, elle me protège pas, si je dis pas de bêtises. C'est pas bien, je sais pas, j'ai pas l'habitude.
Après, on voit que je tire deux trucs. Je fais un peu moins de dégâts, mais je tire deux jets. Entre guillemets. Bon. Du coup, je suis Kaori, j'ai des lunettes. J'ai l'impression que c'est quand même fort sur... Oh là là, ils sont trop chiants, je savais pas jusqu'où il allait monter. J'ai failli pas te voir, hein. Voilà, donc là ça va être le boss. Non, c'est pas ça. Ah, j'aimerais bien avoir un HP. Je tire un peu plus loin. Mais je suis tentée hein, d'aller... Allez. Je suis tentée de passer, de skipper déjà. Quoique je suis quand même assez forte et il y a le trou. Avec un peu de chance, le boss, ça va pas trop mal se passer. Je retire déjà ce que j'ai dit. Ah, par contre, oui, il vole lui. Oh, j'ai fait des bêtises. Oh, je recommence à un HP à chaque fois. Donc, en fait, mes HP ne me servent pas. Mes HP ne me servent pas tant que ça, en fait. Ah, zut. Je pensais que j'allais recommencer à 2 HP, vu que j'en avais 2. Pourquoi il y a un coffre là maintenant? Non mais d'un coup je suis descendue. Je suis pas sûre que je vais battre Grid. Hein. Je pense que ça va mal se terminer hein, tout ça. Oh bah écoute, c'est très très bien parce que tu vas me donner des clés. Du coup avec ces clés, je peux aller là. Ben ça m'énerve parce que d'un côté, je vais pouvoir tirer plus souvent et avec Azazel, c'est bien, mais ça me fait encore baisser mon multiplicateur de dommages et je l'ai déjà fait baisser pour les lunettes. C'est un HP up. Il y a mieux qu'un HP up, le souci c'est que... J'ai su à lui donner ma clé mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ah ouais, en plus je suis déjà dans The Womb quoi. Ça par contre ça va être chiant. Ah, oh, voilà. J'ai cru que je tirais pas. Mais c'est...
Mais j'essaye de me débarrasser de cette tête de mort depuis tout à l'heure parce qu'elle... Putain! Bon, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de pièces. J'arrive pas à voir ce qui reste. Il reste un polype. Qui, du coup... Mais putain, j'ai à peine le temps de le remarquer qu'il est parti. Putain, je le touche pas, ça m'énerve. Ah, c'est bon. King. Mais ça, je m'en fous. Plus un damage, ça c'est bien. Ah, mais ça, j'aurai la transformation en Belzébuth. C'est ça qui peut être intéressant. Par contre, je dis c'est intéressant, mais en fait j'ai plus d'argent. Voilà. Ça s'est joué là-dessus. Parce que là c'est le boss. Merde, je pensais que j'avais mon tir et je ne l'avais pas. Putain. Heureusement que je vole aussi. Hein. Merde, c'est des tirs comme ça. Mais putain, je me le prends à chaque fois. Il est mort, c'est bon. J'ai vraiment cru que je me prenais. Clairement, on va pas faire ça tant. Peut-être juste... Voilà, prendre un petit cœur bleu. J'hésite même à en prendre un deuxième. Ça se passe tellement... Enfin, tellement mal, faut pas déconner non plus, mais... Ça pourrait se passer mieux, quoi. Je suis pas sûre que je vais au bout, mais comme ça, c'est un entraînement. J'ai débloqué quand même des trucs. J'ai débloqué la crédit carte, j'ai vu. Ouais, et là, je suis à Sheol, quoi. C'est... Steph. Ah bah, c'est bien, écoutez. De fou, on s'en prend un peu. Oh, ça donne des petits œufs aléatoires qui n'ont pas l'air trop nuls. Bon, écoute, on prend. Ben non. Ce truc de fou, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec, mais... Ah non, ça va. Eh, on a plus de cœur, c'est déjà bien ça. Ah non. C'est pas... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas trop mal. Ça fait des dégâts. On prend. Ok. On s'est un peu mieux stuffé, là. Oh, merci. Mais du coup, j'ai envie de les retaper. Mais écoutez... Juste parce que c'est trop tentant. On est un peu mieux, ça va un peu mieux. On respire, on respire. Je suis... Ouais. Non, c'est juste que je suis en train de me dire, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal placée, là, au niveau de la caméra. Ça m'a sauté aux yeux, là, comme ça. C'est juste que je peux peut-être me décaler légèrement, là. Comme ça, je ne cache pas
Les portes. C'est ça. On va voir ce que ça donne, hein. Mais c'est chiol, hein. Ce qui est surtout chiant. Putain! C'est que j'ai rien pour me cacher là, j'ai pu... Mais je fonce dessus à chaque fois! Oh c'est quoi? Oh là là! Heureusement que j'ai des cœurs bleus, mais je sens que je vais mourir à moi. Oh, le E, c'est mes pires. En plus, il y a tout qui pop des trucs. Oh là là, il y a trop, y a tellement de trucs à l'écran. Entre tous les déchets et les araignées, je ne vois pas s'il reste des ennemis. Oh, eux, ils vont super vite. Voilà, c'était bien mon souvenir. Fou. Ouais, bah, j'avais plein de cœurs bleus, ça n'a pas beaucoup duré. Spawn, on s'en branle. Et un luck. Oh, il n'y a rien pour... Oh, c'est trop chiant. Il n'y a rien pour reroll. Et là, ça va me coûter tellement... Pourquoi j'ai été mettre là? Je dis ça et au final. Ah ouais, c'était ça le problème. Je me souvenais plus de ce qu'il faisait. Ok. Après, j'ai cette vie, hein, mais j'ose pas trop aller... Bah, surtout que c'est pas très intéressant, quoi. On sait pas reroll, c'est ça qui est trop chiant. Je vais peut-être juste... prendre une bombe au cas où et je vais aller je pense qu'avec un peu de chance je saurais vous montrer à quoi ressemble Grid, mais ce sera tout hein. Ce sera tout, je vais pas le battre hein. Oh, il y a même plus de salle d'objets, je pensais. Bon, il y a le magasin, donc j'ai bien fait de garder de l'argent. Avec un peu de chance, là, il y a un reroll, quoi. Mais écoutez, en plus, il a 7. On prend, je pense. C'est un des match-up. Il est pas cher, je prends. Range, j'ai besoin. Oh, c'est trop. Allez. Ça aurait pu être pire. On n'est pas trop mal. Surtout que... Ah, merci! J'ai enfin de la range! Et je tire plus souvent. Allez. Bon, ça m'empêche pas de faire de la merde, on est d'accord. Le mode grid, ça me stresse. Hein. Calme-toi, putain.
Oh, génial. Oh, génial, les rois, les mouches. Ok, il faut juste que je m'habitue, mais voilà, ça commence à être bien et j'ai eu un damage up. Oh oui, j'avais oublié qu'il faisait des attaques comme ça. Ben écoute, ça s'est pas trop mal passé. En fait, c'est parce que j'ai envie de garder les objets à 7. C'est très très cool, mais cet objet-là n'est pas nécessairement très intéressant. Et si je reroll, ben, je suis pas sûre que j'aurai encore un objet à 7. Vu que ça se... Je prends peut-être des risques et tout, hein, mais vu que ça se passe bien, on va essayer le devil team, non? Je là là. Oh non, ça s'est bien passé, non, ça va. Et j'ai encore un objet de guppy. Ok. Ouais, non, ça je m'en branle. J'ai deux objets de copie, je suis contente. Je vais le prendre. Est-ce que j'avais pris le PhD? Non, c'est pas cette run-ci où j'ai le PhD. Je vais le prendre juste parce que comme ça je peux acheter l'autre objet à 7. Qui est très intéressant. J'ai bien, je suis contente. Oh, c'est dommage, ça aussi c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, mais j'ai pas de bon, donc j'ai rien. Écoutez, c'est pas mal. J'ai remonté, j'ai remonté. On va peut-être battre Grit. On va peut-être. Bon, c'est vrai que j'ai The Fool depuis le début, mais... Voilà les objets les plus cools du jeu. Bonbon mystérieux, Isaac pète ou fait caca toutes les 30 secondes. Pas moi qui vais le jeu. Hein. C'est clairement pas moi qui vais le jeu. Ben let's go. En vrai, je pensais pas aller jusque-là. Ah oui, du coup, là, ma caméra vous masque. Je ne sais jamais mettre où ma caméra. Il y a trop de trucs à l'écran hein, dans Isaac. Ultra grid. Bien. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. On va essayer, hein. On est là pour gagner. En vrai, ça s'est passé mieux que je ne le pensais. Donc, il y a peut-être une chance. Par contre... Mais pas, je pense que Grid donne de l'argent. Parce que le but aussi, c'est de remplir la machine une fois qu'on a battu Grid. Et j'ai zéro pièce, littéralement. J'ai Gridy. Oh? Pourquoi est-ce? Ça fait très longtemps que j'ai plus fait la mode Grid. Donc, comme vous le voyez, il y a des choses qui me. Qui. Je suis
Désolée, j'oublie certains trucs, j'oublie que ça fait ça. Mais tout va bien, je ne suis pas stressée, je suis prête à. Je suis. J'ai confiance en moi, ça va bien se passer. Je ne suis pas tendue, je ne suis pas stressée. En plus, j'aurais dû le voir, c'est noté sur ma carte. Bon, bref. Voilà, là j'ai un peu peur. Je vous avoue. Ah voilà, ça a déjà comment. Ah, je sais pas comment. Voilà, j'allais d'office m'en prendre. Voilà. Ah, j'ai déjà plus que 2 cœurs. Il fait trop mal, hein. Ah oui, j'oublie, il faut que je casse ces pièces parce que sinon après elles font. Mais je vois à moitié. Putain, il est même pas à la moitié de sa vie. Ouais, ça je me souviens, il faut casser les clés parce que sinon ça ouvre les. Oh, ça va être trop chiant. Je vais. Ça va. Tu fais des paix? Tu fais des paix, mon petit? Voilà, je suis morte. Mais du coup, le problème, c'est que maintenant, j'ai plus qu'un cœur et il a toute sa vie. Il a toute sa vie, donc c'est mort. Voilà, donc c'est mort. Je ne battrai pas Ultra Grid. Mais bon, je vais quand même aller jusqu'au bout parce que. Au cas où. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai plus qu'un cœur, donc j'ai plus. Il n'y a plus d'espoir, entre guillemets. Il y en a. Il y en avait peut-être un petit tout à l'heure, mais c'était la première fois que je retombais dessus, donc il faut le garder. Maintenant, j'arrive déjà un peu mieux à éviter ces jetons. Mais bon, j'avais plein de cœur là. Ah oui, c'est vrai que j'oublie. Par contre, je dois faire ça. Oh, je suis trop conne, j'ai gaspillé des vies. Non! Oh, il y en a eu deux! Oh merde. Oh génial. Oh merde. Oh oui, il devient rouge à la fin. J'essaye, hein, mais je ne pense pas que ça va passer. En plus, j'ai même pas de bombe, j'ai rien.
Surtout qu'il y a des moments, je passe mon temps juste à nettoyer ce qu'il y a à l'écran, quoi. Oh merde, quand il dash, c'est pas toujours très clair, hein. Jusqu'où il va? Oh merde, il y en a. J'essaye. Mais j'ai très peu d'espoir. Au moins, ça fait de l'entraînement. Même si en vrai, je pense pas que je ferai de Ultra Grid tout de suite. Hein. Mais tu me fais rire, t'as à peine commencé là. Pourquoi? Ah, il est déjà tout rouge du coup. Je comprends pas. Et là, il est doré. Mais putain, mais en plus, il y a des trucs qui me font gangbang. Et donc, qui me reprojettent contre d'autres trucs. Ça, j'ai pas trop compris. Ouf, laisse tomber. En fait, chaque fois qu'il est soigné, en plus d'avoir de récupérer de la vie, il change, il a des speed up. Mais c'est trop pété. Oh voilà. Voilà, j'ai raté déjà un tir parce que... Oh là Ça m'énerve de trop. J'ai essayé hein, de les viser, mais... Putain, mais j'ai même pas encore fini de gérer la vague! Comment tu veux... Comment tu veux gérer ça, putain? Pourquoi je suis pas encore morte? Ah ouais, c'est vrai que de temps en temps tu rates tes trucs. Putain. En plus, j'ai pas encore le bon timing en main. Il y a des moments où je relâche le bouton trop tôt et du coup j'ai pas eu mon tir. Et disons que le combat est déjà tellement compliqué que louper un tir, c'est... Voilà, j'en ai loupé un. J'ai vraiment l'impression... C'est comme si je suis dans un combat au tour par tour et j'ai littéralement eu une attaque qui a échoué, quoi. Et que du coup mon adversaire lui il a pu me faire des dégâts. Putain, mais pourquoi? J'ai pas su lancer mon truc. Oui, en fait quand... Ah, on dirait qu'il est retourné à sa couleur. Non, ça dure que pendant un temps. Ah, j'ai l'impression que j'ai une meilleure RNG là, mais je pense pas que je vais gagner pour autant. Hein.
Voilà. C'est con parce que ça s'était moins mal passé. J'avais une bonne RNG là, mais bon. Faut pas déconner aussi. Là, du coup, j'ai moins 1. Oh, c'était un peu chaud, hein. Faut pas. Pas se leurrer. Mais comme ça, j'ai revisité un peu le mode grid. Je voulais savoir ce que ça donnait. Résultat. Enfin, c'est ça, résultat du test. C'est pas pour moi tout de suite. Bon, moi, on a fait une run avec Eve qui s'est très bien passée du premier coup. J'ai même pas eu à reset. C'était très bien. Je sais pas quel autre perso je ferai après. Probablement. Attends. Voilà, Lazarus et Eden. Et il y a un personnage qui est débloqué si on... En hard mode! Purée, quoi, t'en demandes des trucs, toi. J'essaierai sûrement de jouer avec Lazarus et Eden les prochaines fois. Ben voilà. Après la prochaine fois, je ne sais pas. Parce que c'était histoire de faire une petite pause dans mon let's play de Pokémon Crystal. Voilà, mais du coup, je vais arrêter ici parce que clairement, j'ai pas le temps de relancer une autre run. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Ben, prochain stream dimanche, hein, très probablement samedi, je suis occupée, donc c'est clair et net que ce sera pas samedi. Il y a des grandes chances que je stream, vu que lundi c'est férié, donc dimanche je n'ai aucune excuse pour ne pas streamer. Même si je suis plus fatiguée ou que j'ai moins le temps, bah, je peux reporter des trucs à lundi super facilement. Donc je streamerai très certainement dimanche soir sans aucun souci. Voilà, donc des bisous, bonne soirée, bonne fin de semaine et bon week-end, bon long week-end, hein, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, des bisous, à la prochaine.